It's Rashford. Manchester United get the advantage decision. Really getting at the opposition this far up the pitch now. Luis Suarez. Ivan Rakitic. And the referee says, free kick. Sergi Roberto. Jordi Alba. And here they are on the attack. Ivan Rakitic. Looked very good indeed, but the move has broken down. This turnover could be costly against a side that can break like this. Rashford. He's cut it back looking for a teammate. The shot gets blocked. Pogba. Luis Suarez. It's Messi. Here's Martial. These two have got a great understanding with their passing. Antonio Valencia. And Herrera coming on strong and looking to play their way through now. On the move and able to cut out the pass. Playing well in the wider areas of Barcelona. Now he can cross it. Coutinho. Busquets. Here's Usman Dembele. Coutinho. That one. And Herrera. Attacking well here. Well, that is half time. Manchester United with the second half now underway and they are leading. Lionel Messi. Sergio Busquets. Lionel Messi. They could pose some danger now. I think he saw the look from the other player and saw where the pass was going and read it. That pass never looked like reaching its target, and they're away with the ball. Lionel Messi. Maybe he'll cross it here. Punched away by the keeper. Rakitic. To level it up now. Flag from his assistant. Given the offside. Shaw. Valencia, Pogba. Alan, what did you make of Paul Pogba and the way he played in the first half? Well, he played really well, didn't he? And he got himself a goal in the head. He'll be pleased with that first 45 minutes. Pogba. Got the ball away from the opposition, got to keep it now. Coutinho. There's the interception. Good position. They've worked this attack very well. Into a quite a dangerous position now. Shots on here. He's tried again. Still not added to his tally. No, that strike, that connection wasn't quite as clean as the earlier one when he scored. Sergio Busquets. Coutinho. Ivan Rakitic. Well, I like the look of this attack. Now Anthony Martial. Romelu Lukaku. Lukaku. Rashford with the ball now. He's got his shot off now. Whoa, that's flown up. Oh, the crowd were up on their feet there. It's a spectacular effort. For Suarez, there's a dangerous feel to this attack. It's looking good from their point of view. Alexis Sanchez.
Pogba. Return pass. Pogba. And now the shot. Well, he scored. And it's a big moment for them in the match. They've pushed their lead now to two ahead. They've played well to this point. But sometimes a two-goal lead can be a dangerous one. We'll see. Just a reminder, 3-1 it is now, the scoreline. Ivan Rakitic. This could lead to a chance. It's good attacking play. Seeking Messi in the middle. Goes for it with a fist. Busquets. Back with Coutinho. Well, that's a good clean tackle to stop the attack. Romelu Lukaku. Trying to catch the other team out with a quick break here. And Herrera. Oh, it's lovely passing this and knocking the ball around with such confidence. Yeah, it's the understanding between those players down there. They seem to be reading what each is going to do before they've done it. Here's Martial. And Herrera. Rashford. Rashford! Looked to kid the goalkeeper really to play that in, but he played it wide. Coutinho. Dembele. Messi. The break is definitely on. It's good play until they got that challenge in. Strong, powerful clearance. Messi. The shot's on! Shot blocked here. And they've cut it out. Sanchez. Really getting at the opposition this far up the pitch now. And here's the shot. Well, a corner to come because of that deflection. Decided to take a short corner this time. Alexis Sanchez. Now Antonio Valencia. Now it's Ousmane Dembele. Ivan Rakitic. We've got two added minutes. Alexis Sanchez. He's a very good individual. Onto the attack now. And he's trying to get it away. And the referee brings it to a halt. Well, it's been preparatory stuff that we brought you here, really. Plenty of interest to it and plenty of edge to it at times. But they've been beaten. They have been beaten, but it was quite competitive. As you say, one or two tackles going in, and it's good match practice. A review, if you like, of Paul Pogba's performance from Alan Smith. Well, so often we think of his creative abilities, but a couple of goals here have won the match for his team. And as for this fella... Vous aimez les jeux vidéo? Vous allez être servi. Retrouvez toute l'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'e-sport mondial et local. Toutes les infos sur les nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming, bientôt sur RTI 1. Vous aimez les jeux vidéo? Vous allez être servi. Retrouvez toute l'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'e-sport mondial et local. Toutes les infos sur les nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming, bientôt sur RTI 1. Vous aimez les jeux vidéo? Vous allez être servi. Retrouvez toute l'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'e-sport mondial et local. Toutes les infos sur les nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming. Bientôt sur RTI 1.
des infos sur de nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming. Bientôt sur RPI. Vous aimez les jeux vidéo, vous allez être servi. Retrouvez toute l'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'histoire mondiale et locale. Toutes les infos sur de nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming. Bientôt sur RPI. Vous aimez les jeux vidéo, vous allez être servi. Annonce FIFA. Noumis contre Amazing Fafiu. Noumis. Amazing Fafiu. Où ils sont? Noumis contre Amazing Fafiu. Installez-vous. Où est Noumis? Amazing Fafiu. Il est où? Annonce PES. Annonce PES. Meliodas contre Plies. Meliodas contre Plies. Annonce PES. Rinso Master contre G-Leader. Rinso Master contre G-Leader. Annonce PES. Kratos contre Djulache. Kratos contre Djulache. Ici. Annonce PES, Mr. O contre Lion. Mr. O contre Lion. Yeah.
G-Leader. 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 G-Leader est attendu à sa console. G-Leader, joueur PES. Le joueur G-Leader est attendu à sa console. Il lui reste 5 minutes, sinon il sera déclaré forfait. C'est qui? Kratos, casse de Kratos contre Mister O. Casse de Kratos contre Mister O. Casse de Kratos contre Mister O. Il est où, Mister O? Casse de Kratos, Mister O. Annonce FIFA. Lord Adams. Lord Adams. JC Kwame. JC Kwame. Annonce PES. Djaboulani est demandé. Djaboulani. Macrocéphale. Annonce PES.
Dernier appel. G-Leader est attendu à sa console. Dernier appel. Amusez-vous, 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 Bouddha le chancelier. Amusez-vous, même si c'est dans la voiture, même si c'est dans le couloir, même si j'ai le leader est déclaré forfait. L'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'e-sport mondial et local. Toutes les infos sur les nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming, bientôt sur RTI 1. Vous aimez les jeux vidéo ? Vous allez être servi. Retrouvez toute l'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'e-sport mondial et local. Toutes les infos sur les nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming, bientôt sur RTI 1. Good punch from the goalkeeper from the cross. Little headed puck. Shot's on here. And that shot's blocked very quickly. And he's cut that up. Close! And a goal! The way to move the ball about there, Martin, before creating the chance was really good. They picked the right pass every time now. That was an amazing shot. Very difficult technique. And the goalkeeper left helpless. Well, he's rooted to the spot. He's at some pace. Lewandowski. Cut off! No way through, says Navas with a save. And might well he smile after that. Well, they line up for the corner. And in it goes. Cleared away, well away from goal. Time and space for out on the flanks. Done well to hang on to the ball. Now he needs a pass. Here's Ribéry. Vidal. I'm amazed, Alan, at what we've watched, because couldn't split them when you talked about the teams at the start. Very similar players, very similar stats going into the game, but it's turned out to be one-sided. Well, it has. I mean, the scoreline would suggest that.
In open play, I don't think there's been much to choose between the two, but it's the two sets of strikers that have been the difference. The way the winning side at the moment has taken those chances. Now the shot! And Neuer saves comfortably. To the opposition with their wonderful play, and the goals have been flying in, and the scoreline reflects a surprising superiority, really. Cristiano Ronaldo. Kroos. Hernandez. And it's out now for a goal. Central midfield players' performances have gone from games we've seen recently, Alan. This is right up there, isn't it? He's going to be replaced now. Takes on the shot! Great to take that on, Alan. He wasn't far away. He's got a history from these distances. And he gives it back to it. Frank Ribery. James Rodriguez. And that advantage. Free kick in these closing minutes. Clever interplay from Bayern Munich. James Rodriguez. They stopped it in the nick of time. Stopped emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging. And it's Bale who's in the clear. They can't stop him. That's a very good goal. Well, that really is rubbing salt into the wounds. It's been a one-horse race out there today. Well, we're in the last few minutes now, and the die has been cast in this game, really. Hernandez. They're playing a lot through Toni Kroos. Makes the game look so simple. It's over. There's good progress with this attack. Put them in front. Pose some problems. Really getting at the opposition this far up the pitch now. Ronaldo, and it's in by the post. Toni Kroos. Clever pass by Toni Kroos. Ronaldo in the clear. Vous aimez les jeux vidéo? Vous allez être servi. Retrouvez toute l'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'e-sport mondial et local. Toutes les infos sur les nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming, bientôt sur RTI 1.
Vous aimez les jeux vidéo? Vous allez être servi. Retrouvez toute l'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'e-sport mondial et local. Toutes les infos sur les nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming, bientôt sur RTI 1. Vous aimez les jeux vidéo? Vous allez être servi. Round 2.
one. Fight! Abigail wins. Round one. Fight! Come on.
final round. Fight! He didn't catch it properly. I think he probably closed his eyes there. Now bye. Corner for Chelsea, and they've got good players to head the ball goalwards if the delivery is right. In goes the corner. David Luiz! And they get it away. Alexis Sanchez. Proper tackle that. Chelsea given the advantage rightly by the referee. Nothing wrong with that tackle. In fact, it was a terrific effort. There is some backup for him in this position. Good distance to the clearance then. Fellaini. They've got numbers in this attack, and it looks dangerous. Good challenge here. Lukaku. Rashford. Lukaku! Corner for Manchester United. Trying to catch the opposition out with a short corner. Antonio Valencia. Pogba! Extra time here for the goalkeeper. Two added minutes. That's the signal now. Well, that is half time. Manchester United. Half underway. Antonio Valencia into the attacking third. Alexis Sanchez. Great defending there, stopping that attack. Taking the lead here, they have been much the better side, and it's a fine piece of finishing. Well, this is the team in form, isn't it? They are excellent, these players today, and they've got their reward here. Well, you look at all of them, they all fancy getting on the score sheet. They're all drifting forward, and it's going to be an attacking move this from Chelsea. It was good play until they got that challenge in. Up the challenge, that's good control. Lukaku, good work to stop the opposition, he's got to clear it now. They gave it straight to him, didn't they? United moving smoothly through midfield. The referee allowing Chelsea to play on here despite the foul on the Chelsea man. Willian threads it through, looks the goalkeeper in the eye. And they're on his toes. Here's Martial. It's good work between these two. Back, the interceptor got it for them.
Well, they're in a good position here. Nemanja Matic. Bit of space for Matic to move into with the ball at his feet. Good cut. Cut out! Great work by the goalkeeper. Eden Hazard. Conte. And here come Chelsea with some bright attacking play. Rashford, Valencia, Pogba. Now here's a chance to get at the opposition. Marcos Alonso, Pedro, Eden Hazard, Giroud. And Chelsea have got a corner here and a chance to get level. Sort out that earlier incident and put the player who committed the foul. Yeah, he doesn't miss much, this ref. He's eagle-eyed and he wanted to give the team a chance to move forward, but always going to produce the yellow for that. Well, this is one way of protecting the lead, really. That's what the manager thinks anyway, making this of the opposition there to make the interception, and then the assistant signals for the throw. Yeah, Matic. Good work really to read the intention of the pass. And the defending team might be in trouble. They might regret conceding this. Genuine attempt to go for the ball. He just didn't seem to get his balance right there. It was a clumsy challenge. Well, that's a yellow card. Yeah, I don't think there's any choice there from the ref. Lingard. Good block. Hazard. He's got the technique to deal with the press. Can Chelsea find a way out of this? Still chance to redeem themselves in the final few moments. Fellaini. Now Marcus Rashford. Cleverly done. Into the attacking third. Whipped in from the wide area. Good defensive clearance there. Matic. Fellaini. Got it back again from Lukaku with Jesse Lingard. That's the referee's decision. Two added minutes. 2 minutes. Pedro. Olivier Giroud. Giroud with the incisive pass. He has to clear it. Well, the game has run its course here. This is then the Manchester United lineup. Lukaku! Goalkeeper can only parry it out. Well, they could pose some danger now.
Here come Chelsea with some bright attacking play. Willian! Dangerous pass to Bentley, the keeper pushing it away. Antonio Valencia. Pogba! Quick reaction time here from the goalkeeper. Lukaku. Pogba! Toute l'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'e-sport mondial et local. Toutes les infos sur les nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming, bientôt sur RTI 1. Vous aimez les jeux vidéo ? Vous allez être servi. Retrouvez toute l'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'e-sport mondial et local. Toutes les infos sur les nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming, bientôt sur RTI 1. Vous aimez les jeux vidéo ? Vous allez être servi. Retrouvez toute l'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'e-sport mondial et local. Toutes les infos sur les nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming, bientôt sur RTI 1. Est-ce que les gamers sont contents d'être là ? Je n'entends rien plus fort que ça. Je n'entends rien plus fort que ça. Je veux quelqu'un pour délirer ce soir devant moi, quelqu'un pour faire une folie à la hauteur de ce qu'il ressent en étant Orange Gaming Tour. Est-ce que quelqu'un peut faire une folie? Bon, les gars, bon, je suis heureux que vous ayez répondu présent à l'organisation de Orange Gaming Tour. Là, on peut dire que non. Le show aura commencé bientôt. N'allez pas vite, hein, parce que tout à l'heure, il y aura encore de l'eau. Mais quand même, je suis heureux que vous soyez là. Bon, j'ai pas vu ta folie. Merci quand même, on peut l'applaudir. Alors, très simple. Je vais vous faire gagner quelque chose de la part d'Orange Côte d'Ivoire. Même si ça sort de ma poche, ça vient pas de ma poche. Allez, s'il vous plaît, allez comprendre quelque chose. On va faire un travaillement de cadre de recharge ce soir. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Ok. Voilà, je sens le mercure monter, et ça m'inspire. Ok, est-ce qu'on peut faire un petit cordon de sécurité Voilà, soyez vos propres gardiens. Hein? Voilà. Je sais que les gamers sont très bien éduqués, sont totalement bien. Ok. Qui est-ce qui peut me dire où et quand a eu lieu la première étape de Orange Gaming Tour? Doucement.
doucement. Est-ce que la sécurité peut nous aider, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir deux membres de la sécurité pour nous aider, s'il vous plaît, à faire un petit cordon de sécurité ici? Ou bien j'ai confiance aux gamers qui sont disciplinés. Et puis, voilà. Donc, c'est moi qui appelle et on monte sur le podium. Donc, on va reculer un peu, s'il vous plaît. On va reculer un tout petit peu. Encore un peu, de 2 mètres. 2 mètres. Je veux 2 mètres entre l'estrade. OK. Voilà. Ah, ça fait rêver, ça. Ça fait rêver. OK. Quand et où a eu lieu la première étape de Orange Gaming Tour? Je ferme les yeux. Non. Je ferme les yeux et je touche. Attendez, les gars. Non, les gars, attendez. Attendez. Bon, viens, champion. Viens. Ok, dis-moi. Non, c'est pas fini. Ne soyez pas découragé. Dis-moi, c'était quand et où? Première étape Orange Gaming Tour. La première étape Orange Gaming Tour, c'était le 28 avril à Cocody. Ouais. Cocody où? Non, j'étais pas là-bas, mais selon mes informations, j'étais pas là-bas. Ok, c'est un bon point. Ça veut dire que Orange Côte d'Ivoire, on va reculer, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un jeu, tout le monde va gagner, soyez tranquille, s'il vous plaît. On va reculer. Non. Non, c'est bon. Non, calme-toi. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais le jeu. Tu es encore sur le podium, calme-toi. On va reculer, s'il vous plaît. Moi, ce que je vous demande, c'est de juste mettre 2 mètres entre l'estrade et les premières personnes qui sont là. Là, on a moins d'un mètre, s'il vous plaît. On va tous gagner. Restons tranquilles. OK. Alors, moi, ta réponse me satisfait. Tu sais pourquoi? Parce qu'en tant que communicant et chef de projet sur Orange Gaming Tour, je sais au moins que tu as retenu l'essentiel. 28 avril, étape de Cocody. Maintenant, si c'est à Las Palmas, si c'est à Cocody, comment on appelle le bas-fond là, Washington, ça c'est autre chose. Mais au moins, pour ta réponse plus ou moins complète, tu gagnes un coupon Burger King de 5000 francs CFA. Burger King qui est partenaire de Orange Gaming Tour. Et tu prends un t-shirt avec les compliments de Orange Côte d'Ivoire. Voilà. On peut l'applaudir. OK. Alors, prochaine étape Orange Gaming Tour. Je veux le monsieur en casquette au fond là-bas. Le monsieur en casquette rouge. Oui, tu as levé ta main, non? Voilà. Alors, dis-moi, c'est quand et où la prochaine étape de Orange Gaming Tour? C'est quand? Yopougon. Non, là tu m'as dit c'est où? Yopougon, cité BAE, mais c'est quand? Bon, je n'ai pas la date. Ok, merci beaucoup. Avec un t-shirt, tu redescends. Ok, viens, cher ami. Mais où est ton t-shirt gamer? Habille-toi comme un vrai gamer, s'il te plaît. Ok. Ouais, enlève la griffe. Ok, dis-moi, prochaine étape Orange Gaming Tour, c'est où et quand? Je veux le lieu exact et la date exacte. Okay. La date exacte, c'est le 30 juin à Yopougon. Et où précisément? Yopougon BAE. Ok, on l'applaudit. Il part avec une recharge de 5000 francs. Un t-shirt Orange Gaming. Voilà, tu peux présenter la recharge. Ok, super. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Orange Côte d'Ivoire? Encore plus fort. Alors, qu'est-ce que je peux poser comme question? Alors,
je veux un téléphone portable. Ça, c'est du classique, c'est du basique. Vous devez vous y attendre maintenant. Est-ce que toi, tu es gamer? Ok, viens, cher ami. Merci. Alors, je veux une deuxième personne avec un téléphone portable. Viens. Calmez-vous. Le tout n'est pas d'avoir un téléphone. Je veux voir s'ils sont connectés. S'ils ont la 4G. S'ils n'ont pas de data, ils vont descendre. C'est pas compliqué. Alors, vous, on se fait un selfie. Hein, et puis, vous allez, je vais voir le plus rapide d'entre vous qui publie sur sa page. Je suis à Orange Gaming 2. Hein, voilà. Et il met, c'est top. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Un rire. Et le jeu ok, top chrono, c'est parti. C'est vrai, mais tout Orange peut aller Gaming si vite. Et ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Ok, montre-moi ta publication sur ta page rapidement. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Bonne intervention, il y avait danger. Oh, voici Robben. Pas encore connecté. C'est joué long, attention. Ribéry. Ok. Et pourtant, c'était un caviar au départ. C'est le ballon en profondeur. Ok. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Joe, ta connexion là. Ok, ok. Mais au moins, je vois. Si c'est Babacar, je suis à Orange Gaming Tour, c'est top. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Il part avec une recharge de 5000 francs, un coupon Burger King et un t-shirt Orange Gaming. Voilà, avec les compliments d'Orange Côte d'Ivoire. Ok. Oui, on lui donne un t-shirt. On lui donne un t-shirt aussi. On lui donne un t-shirt. Ok. Alors, dernière question. Dernière question. Je cherche ma question. Je cherche ma question. Waouh. Alors, qui peut venir ici et expliquer comment on fait pour participer à Orange Gaming Tour, les différentes étapes d'inscription? Qui peut le faire? Hein? Toi, tu peux. Dans tous les cas, je vais prendre 3 personnes et la meilleure explication sera récompensée. Monsieur au chapeau derrière, oui, venez. Oui, toi, viens. Doucement, doucement. On recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule. On recule, on recule. Ok, voilà. Alors, sens-toi à l'aise, comme sur un plateau de télé ou comme, je sais pas, à la radio, et tu expliques comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à Orange Gaming Tour. Top départ. D'accord. Déjà, il faut suivre le lien que Orange partage sur la page Facebook. Ensuite, après avoir suivi le lien, tu t'inscris sur le site avec ton nom. D'abord ton mail. Ensuite, ton nom, tes informations en tout cas. Lorsque tu finis ça, tu reçois sur le site wgf.gg. Lorsque tu finis ton inscription, on t'envoie un mail. Et lorsque tu reçois le mail, tu vas avec le mail, tu actives ton... Tu finalises ton inscription. Et lorsque l'inscription est finie, bon, la première étape, c'était payante. Il y avait 3000 à payer, Orange Money, on payait. La deuxième étape, c'était gratuit. Donc, normalement, quand tu finis ton inscription, tu es qualifié directement avec un pseudo et tu te rends sur le terrain pour participer. Merci. Ok, ok. Vas-y. Bon,
Moi, franchement dit, je me suis inscrit de la manière la plus simple. C'est-à-dire que j'ai cherché sur Google Orange Gaming Tour Côte d'Ivoire. J'ai cliqué sur le site Orange Gaming. Quand je suis arrivé, j'ai choisi l'épreuve à laquelle je voulais m'inscrire, donc c'est-à-dire FIFA 18. C'est-à-dire FIFA 18. Quand j'ai cliqué, on m'a envoyé sur le site wgf.gg sur lequel on m'a demandé de mettre mes informations. J'ai mis et on m'a envoyé un mail quelques temps après. Et puis j'ai suivi le lien qui m'a ramené encore sur le site qui m'a dit que mon inscription a été prise en compte. Maintenant, après ça, maintenant, il faut choisir aussi le tournoi auquel on veut participer. C'est là que j'ai choisi à participer au tournoi de Macori aujourd'hui, FIFA 18. Dans un premier temps, c'était à 2500. Donc moi, j'ai fait ça dans un premier temps. Je me suis inscrit à 2500 francs. J'ai noté mon nom, mon prénom, mon numéro, mon identifiant. Ensuite, j'ai remis encore et puis on m'a dit, ok, vous êtes inscrit au tournoi d'Orange Gaming, comment dire, de la zone de Macori. Donc franchement, je pense que c'est tout. Hein. Bien, tout d'abord, il faut savoir que l'inscription se fait sur Internet. Voilà. Tu peux le faire soit avec ton téléphone ou soit un ordinateur. D'abord, tu vas sur le site www.orangegaming.ci. Lorsque tu arrives sur le site, il y a les étapes, c'est-à-dire les jeux auxquels tu voulais participer. Il y a FIFA 18, PS 18, Street Fighter 5, Tekken 7. Tu choisis le jeu auquel tu veux participer. Ensuite, on te redirige sur un autre site qui est wgf.gg. Là-bas, on va te demander de mettre ton adresse email. Lorsque tu vas mettre ton adresse email, tu vas aller. Il y a un mail qui va arriver dans ta boîte. Lorsque tu vas, tu confirmes ton inscription et ça va te rediriger vers un autre site. Là-bas, il y a trois champs. On te demande ton nom, ton prénom et bon, il y avait référence ID. Maintenant, on demande de mettre ton numéro de téléphone. Lorsque tu mets, tu valides. Quand tu valides, ton profil WGF est créé. D'abord, il faut aller dans mes tournois. Lorsque tu vas dans mes tournois, il y a la liste des tournois qui existent. Tu choisis le tournoi auquel tu veux participer et tu cliques valider mon inscription. Lorsque tu cliques valider mon inscription, automatiquement on te redirige dans la liste des joueurs qui sont déjà inscrits. Voilà, c'est tout. Ok. 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 Bon, ils sont déjà là. Qui a la meilleure explication? Non, les gars, soyons sérieux. Soyez fair play, vous êtes des gamers. Ils ont donné au moins des informations essentielles. C'est lui. Ok. Je pense qu'effectivement, il a donné... Moi, j'aurais peut-être penché pour lui, mais je pense qu'il a donné... Il a donné de très bonnes informations. D'abord... Le lien, c'est orangegaming.ci. Et ça, c'est très important. Et c'est en étant sur cette page-là qu'on est redirigé vers la page WGF qui nous permet de créer notre profil et ensuite de valider notre inscription. Mais je pense que les trois n'ont pas démérité. Et je voudrais qu'on les acclame très, très, très fort. On les acclame fort. Ils vont tous les trois, c'est pas facile de faire de la communication. Ils vont tous les trois partir avec une recharge de 5000 francs CFA et avec... deux coupons Burger King et des t-shirts. Voilà, on peut les acclamer. Ok, DJ, on peut nous mettre du son. Tout à l'heure, on reviendra encore pour faire des heureux. Et puis, soyez connectés, partagez. Prenez des photos de cet instant, partagez sur vos profils Facebook, Twitter, et tous vos comptes Instagram et autres. Mais l'échec inspire le gagnant. Amalé ma fille, Akadana vous le best. Oh yeah. Non, jamais. Après la nuit, le jour vient. Ok, super. Merci DJ. Voilà, tout à l'heure, Orange revient pour faire encore des heureux. Et puis, bon jeu à tous. On peut monter le son, DJ. Claro.
de personne pour moi va sortir. Je prends mon temps, car c'est Dieu qui rend grand. Devant les obstacles, je serai toujours gagnant. On boit que les shampoos pou, partout c'est les shampoos pou, on vide les shampoos pou, shampoos pou et shampoos pou, on boit que les shampoos pou, partout c'est les shampoos pou, on vide les shampoos pou, les verres sont pleins, on a trop niqué, on bouffe tout et on bouffe tout, dans le salon les meufs sont fraîches comme les shampoos pou et shampoos pou, shampoos pou et shampoos pou, shampoos pou et shampoos pou. Vous aimez les jeux vidéo? Vous allez être servi. Retrouvez toute l'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'e-sport mondial et local. Toutes les infos sur les nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming, bientôt sur RTI 1. Rakitic, put them in front. He wasn't fazed by facing a player who's already got the better of him in this game. Well, he's got his defenders out of jail there because they are... Paulinho! Save he's made there, and he's not let the ball escape his grasp. Khedira. Miralem Pjanic. Sami Khedira. Played forward, a bit of menace in this attack. Higuain, teammates arriving for the cutback here. They've got the ball back by that interception. It's an excellent cross. Turned away by the goalkeeper spectacularly. Coutinho. Jordi Alba. Good forward play from them. Matuidi. Gonzalo Higuain. Khedira. Miralem Pjanic. Looked very good indeed, but the move was broken down. Khedira. Higuain. With Douglas Costa. Here's the chance to get in the cross. Stopped emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging. Chance to go at the opposition with pace. Still got a bit to do, but this is promising. Could be the winner. That one's hit the crossbar on the way out. Goalkeepers love to be busy, and he's certainly busy at the moment. The frame of the goal helping him out. And now at least he can settle his team down and get the ball upfield. Well, if you hit the postal bar, you've not hit the target. Although they did in the second one, it was too easy for the keeper. Now Messi. 2 more minutes to be played then, added time. Lichtsteiner. He's coming forward with some danger. The referee has brought the regular...
ready to go for the first half of extra time. Nick Steiner, spotted well by the defender, cut it out. Semedo on the attack here, ball in behind from Suarez. Looking for teammates in the middle. Splendid header, superb save. Yeah, he got plenty behind that header as well, I think he thought. And now the shot! Keeper pushed it away from the goal. Nice interplay between the two of them. Sami Khedira. Miralem Pjanic. Good place to win the ball here. Lionel Messi, Denis Suarez, Luis Suarez. They've got numbers in this attack, and it looks dangerous. Well, he's cut that out well, well read. Suarez, excellent look to that attack until the interception. Lichtsteiner, Khedira, Gonzalo Higuain. Now here's a chance to get at the opposition. Higuain! That's a fantastic goal! It's point blank range. You've got to be there to score, you've got to be there to miss it as well, but he didn't. And the marksman, Higuain again. Oh, wonderful. The striker. So, 15 minutes of extra. Down from the players, and the second half of extra time is underway. This move. Pjanic. It's confident and it's classy really, but it is a bit of a gamble for the player who's still in possession. Everyone wanting the ball, which is great for the team that are winning and keeping the ball. And so, good football between these two. Nice passing. Lichtsteiner. Paulinho to Andre Gomes. Just one goal advantage. They concede now. It could still go to penalties here. 5 minutes to go. That's played down the wing, keeping the wide attack going. Pjanic. Alessandro, Chiellini, and he gives it back to him. Here's Douglas Costa. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. And out wide, they're in a good position. The extra bonus of extra time. The goalkeeper got a touch to that. Fine save. Matuidi! Shot taken. Goal. Could be the winner. Be the winner. And that one's hit.
vous aimez les jeux vidéo, vous allez être servi. Retrouvez toute l'actualité du gaming, les plus belles histoires de l'e-sport mondial et local. Toutes les infos sur les nouveaux jeux, des astuces, des critiques et des interviews exclusives. Votre rendez-vous pour tout savoir sur le monde des jeux vidéo, c'est Orange Gaming, bientôt sur RTI 1. Fight.
Disperda le tenebre. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. こちらは片付いた。 Niente di... Round 1. Fight. Fight.
Round one. Fight. Round two, fight. Round three, fight. KO. Round four. Fight. Perfect. Final round. Fight. Round one. Fight. Hey!
KO. Round two. Fight. Perfect. Round three. Fight. KO. Round four. Fight. Thank you.
areas. I'm sure he'll score pretty soon. Fernandinho. Sergio Aguero. Put through, Raheem Sterling. Kroos. Ronaldo. Hey. Ronaldo. Oh, they have taken the lead. Manchester City are trailing now. They've got to try and hit back. Kyle Walker. Fernandinho. Gabriel Jesus getting forward well as a team now. Good strong tackle. Cristiano Ronaldo. Referee sees that as a foul and it is a free kick. Carvajal. Fight.
KO. Round two. Fight. KO. Round four. Fight. KO. Final round. Fight. KO. You win. Hey, you. You want to try me, Gov? Round one. Fight. KO. Round two. Fight. Perfect. Round three. Fight. KO. Round four. Fight. Oh, my God.